Bonjour, dans la suite des paramétrages de la société Atlas Computer, maintenant on va généralement ouvrir un nouveau dossier, n'est-ce pas? Et on ne va pas refaire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire les paramétrages des structures. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un nouveau fichier, on va copier et coller les structures. Donc comment on va faire? Donc dans un premier temps, on va fermer notre dossier Atlas Computer, on va ouvrir un autre dossier, un dossier qui est nouveau. La raison sociale, supposons qu'on a un nouveau client qui s'appelle Monsieur Amarir, n'est-ce pas, la société Amarir. Souhaitez-vous reprendre des informations? On va lui dire oui. On va remplir par la suite les coordonnées de l'entreprise suivant. L'exercice, vous voyez qu'il commence toujours dans l'année courante, c'est-à-dire du 1er janvier 2019 au 31-12-2019. On va lui dire suivant. On va utiliser le dirham marocain, MAD, comme devise, monnaie de tenue de compte, suivant. Puis on va faire suivant. Ce qui est important ici, c'est que au niveau de reprise des éléments comptables, on va pas utiliser structure comptable du plan comptable français. On va lui dire que le paramétrage sera défini manuellement, suivant. Et on va créer notre dossier comptable. Parcourir, on va le mettre dans le bureau de notre PC. On va l'appeler société Amérique. OK, Amérique. Et on va enregistrer. Et puis on va marquer ici fin. Vous voyez que le logiciel nous a pas encore donné le nom du fichier. Donc lorsqu'on va faire fin, automatiquement, on a la société Amarir. Vous voyez que les structures sont vides, hein, il n'y a pas de plan comptable, il n'y a pas de plan tiers, n'est-ce pas? Il n'y a rien, ni code journaux, ni taux de taxes, etc. Donc, comment on va faire pour créer des structures à partir de dossiers de la société Atlas Computer? Donc, on va cliquer sur le menu structure. Puis sur fusion, vous voyez ici que à gauche c'est la société Amarir et à droite on doit ouvrir un fichier comptable. Donc on va chercher notre fichier qui s'appelle société Atlas Computer A. On va ouvrir. Automatiquement, vous voyez que à gauche il n'y a rien au niveau du plan comptable, c'est vide. N'est-ce pas? C'est vide. Et au niveau de la société, il y a beaucoup de comptes. Donc, on va cliquer sur un compte quelconque. Bouton droit, sélectionner tout. Et on va les copier du côté gauche. Le compte tiers C00 rattaché au compte général 34-21-00 n'existe pas. Vous voulez continuer en copiant le compte général? Bon, on va lui dire oui. Le compte, la même chose pour le compte F001, on va lui dire oui. Et on va passer à la deuxième structure qui est le plan tiers. Donc, on a déjà créé dans la société Atlas Computer A deux comptes tiers, C001 et F001. On va les sélectionner et on va les copier dans le dossier de la société Amérique. On va faire la même chose pour les taux de taxes. Donc on a déjà créé trois taux de taxes, la TVA à 20, la TVA à 10 pour la TVA récupérable et la TVA à 20% pour la TVA facturée. Bouton droit, sélectionner et copier. Il nous reste les codes journaux, on va faire ça pour les codes journaux. Donc on clique sur un compte, bouton droit, on va sélectionner tous les journaux. On va les copier à gauche. Donc cette opération, c'est l'opération de fusion de deux dossiers comptables. Et donc on va trouver les comptes qu'on a importés, on va dire, entre parenthèses, de la société Atlas Computer.
computer. Merci de votre, on va dire, écoute et au prochain vidéo qui va traiter les modèles de 6.